le désert des Bardenas. Un lieu mythique pour les motards et les aventuriers de toutes sortes, dont j'entends parler depuis des années. Par certains comme une terre sauvage et improbable où l'homme se confronte à la nature. Et par d'autres, comme un haut lieu du tourisme de masse qui n'a de désertique que l'intérêt qu'on devrait y porter. Peu importe. À 2 heures de route de chez moi, débute une boucle du Tête Espagne qui traverse ce désert. Ce serait con de ne pas en profiter. Ça tombe bien, un week-end moto prévu depuis 2 mois est annulé à la dernière minute pour cause d'orage. Et Fabio, frustré de ne pas pouvoir rouler, me propose d'aller traîner nos crampons en Espagne, où la météo est plus clémente. Au sud de Pampelune, là où débute la trace, nous retrouvons Pifuit, qui vient du Béarn se confronter pour la première fois au hors-piste au guidon de sa Transalp 600. Il a beau découvrir le tout-terrain, ses 42 années d'expérience à moto lui ont appris à tenir une bécane. Et il nous suivra sans problème tout au long de cette virée sur les chemins espagnols. Depuis les hauteurs du col de Guerinda, le long d'une crête où est installé un gigantesque parc éolien, la vue nous tend les bras et nous offre un aperçu des 2 jours à venir. À nos pieds s'étend une plaine aride, ponctuée de formations rocheuses striées de toutes les nuances de rouge et d'ocre. Le désert des Bardenas. Mais pour y parvenir, il va falloir descendre sur environ 600 mètres de dénivelé. Et la descente s'avère pour le moins abrupte. Une fois engagé, impossible de faire demi-tour avec nos grosses machines. Alors tu te concentres, tu regardes au loin pour anticiper les difficultés, tu places ta roue avant au centimètre près pour éviter une caillasse ou une ravine, et tu joues du frein arrière pour éviter de prendre trop de vitesse et de te foutre au tas. Sur un malentendu, ça passe. Et après cette bonne suée, nous pénétrons enfin dans le parc naturel des Bardenas Reales. À ceux qui prétendent que les Bardenas, c'est trop touristique pour valoir le détour, j'ai envie de dire que le Louvre, même si tu y fais la queue pendant des heures, ça n'en rend pas les œuvres moins belles. Que oui, il y a des touristes, mais ils se cantonnent à la statue du berger, la cheminée de fée et la route entre les deux. Et que si tu prends le temps et la peine de t'égarer sur les pistes secondaires, tu t'y retrouveras seul avec ta meule, tes potes et le désert à perte de vue. En fin d'après-midi, nous quittons le désert proprement dit et nous longeons à mi-hauteur l'un de ces plateaux rocheux aux flancs ondulés qui donnent à cet endroit des allures de western. Des bornes et des bornes de virages sur cette piste crieuse. Sauf que moi, autant je me sens à l'aise dans le technique pur et dur, autant j'ai du mal à prendre de la vitesse lorsqu'il y a un virage à négocier. J'en profite donc pour mettre en pratique les conseils de Fabio. Debout sur les cale-pieds, je reste bien droit, je ne penche que la moto, tout mon poids sur le pied intérieur et je gère mon adhérence à la poignée de gaz. Au fil des kilomètres, je prends de l'assurance et je m'offre même quelques sorties de virage en travers qui me font l'effet d'être un pilote d'usine engagé sur le Dakar. Bon, en vrai, ça devait vaguement ressembler à un petit dérapage contrôlé, mais je m'en fous. Je kiffe. Et au final, c'est bien ça le plus important.
la journée touche à sa fin. Cela nous aura pris un peu de temps, mais nous finissons par trouver un endroit sympa où bivouaquer, à l'abri du vent et à l'écart de la civilisation, au croisement de deux sentiers de randonnée où est installé un petit banc de rondins. Une fois les tentes montées, nous y posons nos fesses et partageons saucissons, fromage, vin rouge, tout en refaisant le monde jusqu'à ce que la fatigue ait raison de nous. Le lendemain, il ne nous reste plus que 50 km à faire pour boucler la trace. Nous ne sommes plus dans le désert proprement dit et traversons de grandes zones agricoles, reprenant ainsi contact avec la civilisation à laquelle nous avions échappé ces dernières 24 heures. L'excitation de l'inconnu retombe à tantiner, mais le plaisir de rouler est toujours là. Juste avant la fin de la trace, une butte abrupte me défie de toute sa hauteur. En mode montée impossible, avec mes pneus mixtes et mon trail de 230 kg sans la bagagerie, je m'offre un dernier soupçon d'adrénaline. Ça y est, c'est déjà terminé. Fabio et moi envisageons un moment de continuer le tête vers la côte atlantique, histoire de rentabiliser la journée, mais quelques gouttes tombées de gros nuages venus du sud nous poussent à remonter au plus vite vers la frontière française pour éviter la pluie. Ce que nous ferons avec succès. C'est ainsi que s'achève cette trop brève aventure. Merci à toi de m'y avoir accompagné jusqu'au bout, et à très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo.